Chika Dibia. Je t'ai appelé plusieurs fois depuis que je suis ici. Hein? Mais toi, tu n'entendais rien. C'est quoi? Mon frère, c'est quoi comme ça? Je n'apprécie pas ce que tu fais. Ah, la vie. Hein? Cette vie. Depuis ton retour au village, tu ne fais que penser. Ça déjà pris beaucoup de temps comme ça. Ah, mais tu en fais un peu trop, non? Même quand je t'appelle au téléphone, tu ne prends même pas mes appels. Au lieu même de me rappeler, tu ne me rappelles même pas. J'arrive pas à comprendre. Dis-moi, c'est quoi le problème? Ce n'est pas de cette façon que ça doit être. Ce n'est pas de cette façon que je dois être, non? Hein? Je suis censé être... Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Écoute-moi, mon frère. Moi, je te comprends très bien. Je te comprends très bien. Mais pour combien de temps tu vas être dans cet état comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. S'il te plaît, mon nom c'est Chika Dibia. Arrête de m'appeler Chika Dibia. Oui. Mon nom c'est Chika Dibia. Oh, très bien. D'accord, désolé. Chika Dibia, tu sais quoi? Je ne veux pas te voir comme ça. Tu risques de tomber malade comme ça. Viens, allons quelque part et buvons même la bière. C'est moi qui paye. Je veux payer. S'il te plaît, j'en ai même pas envie. La boisson ne résoudra pas mon problème. C'est moi qui paye tout. Chika Dibia, viens, on va sortir. Viens, on va sortir. C'est comme une personne endeuillée alors que personne n'est mort. Ça fait mal encore. Je vais... Mon amour, sois juste patiente. Je crois que le médicament que tu as pris fera l'effet et tu vas te sentir mieux. Ok. Ça va aller. Je crois que je dois aller me faire examiner. Qu'est-ce que c'est? J'ai des sensations... très bizarre. Depuis que nous nous sommes mariés, je ne fais que de fausses couches. Mon amour, ne dis pas ça encore, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne vais pas entendre ça. Laisse-moi m'apitoyer sur mon sort, s'il te plaît. Tout allait bien avant que tu ne me maries. Une fois que tu m'as mariée, tu as perdu ton job. Je ne te donne pas encore d'enfant. Nous sommes déjà passés par 10 hôpitaux juste à cause de moi. On dirait que j'étais apporté de la poisse depuis que tu m'as épousé. Non, mon amour. Ça me dérange. Mon amour, s'il te plaît. Tu as très mal et tu gardes des phrases comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne mets pas mes échecs à tout ce qu'on a fait ensemble, s'il te plaît. Ça me rend désemparée. Arrête ça maintenant, non? Arrête. J'ai très mal. Laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Et après ça, tout ira mieux. Hein? Arrête ça. Je n'aime plus ce genre de réunion, s'il te plaît. Les choses vont s'améliorer, t'inquiète. Toi-même, tu vas voir que ça va s'améliorer vraiment. Tu sais quoi, mon fils? Ces gens sont vraiment très chaleureux. Tu as vraiment un coup d'œil, toi, hein? Et d'ailleurs, tu sais, la maman, ainsi que l'enfant, tu as ravi leur cœur. Maintenant le papa. Ah mon Dieu, mon cher fils. Mais sache-le très bien mon fils. Je dois dire que tu as vraiment un très bon coup d'œil. Je dois vraiment te féliciter. D'ailleurs, le papa, est-ce qu'il... Ah, c'est bien lui, n'est-ce pas? Oh, en tout cas. Naï, on était là à t'attendre. Hey, hey, hey. Mon beau-frère. Hein? Es-tu sur cette paire? Bien sûr, il est au courant. Hey, Naï, bienvenue. As-tu vu la belle famille de notre fille? Elle t'attendait depuis. Naï, pourquoi tu l'air énervé? Quelque chose te dérange? Naï! Papa! Papa, ma belle famille te salue. Tu ne fais que les regarder sans répondre. C'est quoi le problème? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Naï, mais pourquoi tu ne dis rien? Odomura et son père sont là. Ils sont venus pour se présenter. Mais pourquoi es-tu énervé? Naï, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dites-leur de partir. Timon, hein? Dites-leur de partir. Papa, qu'est-ce que tu dis? Hein? Timon, encore papa? J'étais prévenu de leur arrivée. Tu étais d'accord. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Hein? J'ai changé d'avis. Écoute ce que papa dit. Naï, mais comment peux-tu changer d'avis juste comme ça? Attends, as-tu découvert quelque chose de mal avec leur famille? Dis-moi. Je n'ai rien trouvé de mal, mais j'ai changé d'avis. Dites-leur de s'en aller. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Papa, papa... Ne fais pas ça. Allez leur dire de partir. Papa, ça c'est trop m'embarrasser, non? Hein? Je vous ai dit que j'ai changé d'avis. Allez leur dire de partir. Hey! Naï, je t'en prie. Hein? S'il te plaît, ne fais pas ça. Du fait que tu as changé d'avis, change encore d'avis pour les accueillir. C'est vraiment humiliant. Que diront les gens? Si tu ne peux pas leur dire de partir, j'irai le faire moi-même. Naï, mais c'est quoi la raison? Tu ne peux pas faire ça, Naï. Non, 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 Naï, tu ne peux pas faire ça, c'est humiliant. Allez, arrête. Je trouve que quelque chose s'est passé. Parce qu'il n'était pas comme ça. Mais pourquoi pouvait-il? Je l'ignore, je ne saurais le dire. Ok. Sûrement, il est stressé après une très longue journée de travail. Bien sûr. T'es pas souriante, qu'y a-t-il? C'est papa ou... Ma chère fille, parle-nous, quel est le problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que je... Le problème est que j'ai changé d'avis. Ma fille ne peut pas se marier avec ton fils. Simple. C'est ça le problème. Pourquoi as-tu changé d'avis? Attends. Permets à ta fille de parler elle-même. Hein? Oui. Elle doit parler pour son compte et pas toi. Pourquoi as-tu changé d'avis d'abord? Avons-nous fait quelque chose de mal? Rien. Je vous ai juste dit que j'ai changé d'avis. Ma fille ne peut rien avoir avec ta famille. Et je vous donne un privilège. Prenez vos boissons et sortez de ma maison. Naï. Je suis confus. Quelque chose s'est passé? Naï, Naï, s'il te plaît, essaie de te calmer. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te concerne? C'est quoi le problème? Papa, c'est que tu finis pas du tout correct. Vas-tu te taire? Naï, tu ne veux pas que notre fille puisse se marier? Toi, ferme ta bouche et entre dans la concession. Dégage tout de suite. Entre dans la concession. Naï, c'est pas juste. C'est pas juste ce que tu fais. Qui te l'a dit? Qu'est-ce que toi tu connais? Et je crois très bien que vous n'avez pas oublié le chemin par lequel vous êtes venu. Prenez vos boissons et sortez de ma maison. Tout de suite. Tu viens de me dire à moi de sortir de ta parcelle. Fiston, allons-en. Allons-en. Papa. Silence. Arrête ça, non, s'il te plaît, papa. Tout ça, c'est n'importe quoi. Arrête-les, non, ils sont en train de partir. Arrête-les. J'arrête. Obimere, allons-en. Qu'ils s'en aillent. Hey, papa. Allez, viens, allons-nous-en. Obimere. Allez, allons-nous-en. À l'intérieur. Va à l'intérieur maintenant. Va à l'intérieur. Papa, ils sont en train de partir. Arrêtez qui? Non. Allez, allez, va à l'intérieur. Si tu me mets au défi, ok. Tu as tracé la ligne de bataille entre toi et moi. Je te traiterai plus comme ma fille. Je te donnerai la guerre. Ouais. C'est ma famille. Je suis Edekobi. J'ai le droit de décider ce qui arrive à ma famille. Je sais ce qui est bon pour ma famille. passe court comme un pygmée avec un fils élancé. Idiot. N'importe quoi. Non mais, ah. Non mais, hey. C'est à moi qui l'a fait ça. Hein? Chérie. Hein? Pas possible. Aussi, attends, un instant. Attends-moi, non. Aussi, allez, s'il te plaît, attends. Attends, un instant. Attends. Je vous prie de pardonner mon père. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il n'a jamais été ainsi. S'il te plaît. J'ai compris. Hein? Ça va. Nous allons revenir quand il se sera calmé. Entendu? Ok. Ouais, donc, t'inquiète pas. Hein? Calme-toi. Nous allons revenir. Entendu? D'accord. À plus. Donc c'est moi qui l'a osé humilier de la sorte. Moi, hein? Obimere, allons-nous-en. Obimere, allez, avance, hein? Obimere. Hey, moi. Oguémogne, OEGB. Obimere. Hey. C'est pas possible, ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait m'humilier ainsi. Hey. Ah, Edekobi. Edekobi. Où est-ce qu'ils sont? J'avais presque oublié que tu m'avais dit que la belle famille allait venir. Je les ai renvoyés. Que veux-tu dire par tu les as chassés comme ça? Tu m'as bien entendu, j'ai dit que je les ai renvoyés. J'ai l'impression de ne pas te comprendre. Edekobi. Attends. Es-tu en train de dire... Tu t'es décidé de renvoyer notre belle famille comme ça? Papa, dis à Anosie, heureusement que tu es là. Papa a mis Obimere, son père, dehors. C'est lui que je ne suis pas du tout d'accord avec. Je l'épouserai, oh, je dois l'épouser. C'est justement ce qu'ils viennent me dire là tout de suite. Je ne le comprends vraiment plus d'ailleurs. Anosie, j'ai une histoire importante à te raconter quand le moment sera venu. Raconte-moi cette histoire, ici et maintenant, afin que ta fille puisse également l'entendre. Je n'aime pas du tout ce qui se passe maintenant. Bien, laisse-moi au moins te demander. As-tu au moins pris en compte le trauma émotionnel auquel ta fille va faire face à cause de tes actions? Anosie. Hein? C'est moi qui t'ai dit que j'ai une histoire à te raconter quand le moment sera venu. Je te raconterai l'histoire au bon moment, pas maintenant. Papa, si c'est au sujet de Ebimere, papa, je t'assure que je mettrai le feu dans cette maison. Et me donner la mort par la suite, papa. Crois-moi. Si tu meurs, qui perdra? Edekobi. Ouais. Edekobi. Ouais. Papa, Egou, je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne plaisante pas. Oh, tu es l'osier. Dis-le lui, oh. Vas-tu revenir ici? Oh. Edekobi. Ouais. Je peux voir Je ne suis plus du tout confortable. Je ne suis plus la bienvenue dans cette maison. Donc, je pense que je dois partir parce que je ne crois pas que je serai très à l'aise entre deux puzzles. Je crois que je dois partir. Anosie, je suis content que tu te souviennes de la route par laquelle tu es venu. Edekobi, ouais? Es-tu en train de me chasser de ta maison? Anosie, voici ton chemin. Tu es venu par là, alors quitte par le même. Edekobi, regarde-moi dans les yeux. Anosie, voilà ton chemin. Je vais partir. Bien. Aucun problème. C'est ma famille. Personne ne dicte à Edekobi ce qu'il faut faire. Je prends les décisions par rapport à ce qui est bon pour ma famille. Efforce-toi. Efforce-toi. Après ça, tu dois te reposer. Non. Tu n'iras nulle part. Je peux partir. Non, tu ne peux pas. S'il te plaît. Je dois aller acheter le médicament. Moi, je suis là pour ça. Je vais t'acheter. Je vais acheter pour toi. Ok. Hein? Grande soeur. Grande soeur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Grande soeur, on m'a tué, on m'a exterminé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu imagines papa chasser Obimere et son père. Hein? Il les a chassés? Oui. Pourquoi? Tu dis que je ne peux pas l'épouser. Ah, qu'est-ce qu'il a découvert aussi de grave pour qu'il agisse ainsi? Pourquoi il doit les chasser? Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas, oh. Je ne connais pas ses raisons, grande sœur. Viens parler avec lui, oh. Viens parler avec lui, sinon je ferai quelque chose de drastique. Non, ça. Rentre à la maison. J'en parlerai avec lui. J'ai tout entendu. D'accord, grande sœur. Bon. Rentre. Attends, je te suivrai. Sois patient. Ça va maintenant. On y va. Ma chérie. Mais tu dois te... Non, ça va. Vas-y, je te suis. Ok. T'inquiète. Je vais me gérer. Ça ira. Okay. Vas-y. Attends. Attends, tu traînais le pas, non? Tu vois que ça va? Tu vas? Bon, ça va. Tu vas mieux? Oui, papa, je vais mieux. Papa, Ebere est venu chez moi en pleurant en disant que tu as chassé sa belle famille. Oui, je l'ai fait. Et j'ai dit aux deux idiots que j'ai changé d'avis. Ah, papa, écoute, papa, écoute ce qu'il dit. Pourquoi, papa? Si tu as vu quelque chose de mal dans cette famille, tu dois quand même nous le dire, non? Nous en avons le droit, je pense. Ogochi, retourne à ton mari. C'est ma famille ici. Et je sais ce qui est bon pour ma famille. Étant l'aîné de la famille, j'ai le droit de savoir pourquoi tu as chassé les fiancés de ma petite sœur. Nous avons le droit de savoir la raison de ta décision. Tu ne dois pas ignorer que nous sommes déjà adultes et que nos choix nous reviennent. Ogochi, je ne veux pas te permettre de lever ta voix sur moi. Ok? Retourne chez ton mari. Papa, arrête de me dire de rentrer dans la maison de mon mari. Il y a un problème, nous devons le résoudre. Ogochi, ne te fatigue pas, ma fille. Ne perds pas ton énergie. Tel que tu le vois, il ne va pas changer d'avis. Il n'a pas d'autre choix, maman. Il doit nous dire pourquoi il a changé d'avis. Ce n'est pas une décision à prendre par des émotions. Où as-tu déjà vu un père chasser la belle famille de sa fille? Où? Moi, je dois l'épouser, où? Je dois l'épouser, sinon je fais quelque chose de drôle dans cette maison. Tais-toi, tu ne feras rien de stupide. Si tu le fais, je te paralyserai. Hein? Ainsi, je mettrai fin à ma vie. Je me donnerai la mort. Arrête de dire ça, Ebere. Tu ne te donneras pas la mort. On va les résoudre en famille. Qui t'a dit qu'il est facile de mourir et tu veux te tuer toi-même? Ta femme là. Je t'ai dit, frérot. Hey! Oh, crois-moi, oh, tu me donnerais la mort dans cette maison. Oh, laissez-moi boire, pardon. Avoir permis que tout s'arrive à ce niveau. Docteur, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, parce que mon ami Victor, il était venu ici, il a traité ma femme avec les antibiotiques et il a dit que ce sont les infections qui la dérangent. Vous n'avez vraiment pas le droit d'exercer l'automédication vous-même. L'automédication est vraiment dangereuse. Docteur, s'il te plaît, et maintenant je suis à l'hôpital, qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Est-elle atteinte des MIP? Docteur, c'est quoi encore MIP? MIP signifie maladie inflammatoire pelvienne. Docteur, je n'arrive pas à comprendre. Ils ont dit que ce sont juste les infections, non? Je vous conseillerais de lui faire passer une chirurgie. Mais ses chances d'avoir un enfant sont de 50-50. Docteur, trouve une solution s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il ma femme meure. Très bien, mais cela va vous coûter entre 2 et 300 000 naira. 2? Toi? Mais docteur, où est-ce que j'ai trouvé cet argent là? Je vous suggère d'aller chercher. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Où est-ce que je vais trouver 300 000? Oh vraiment mon Dieu. Docteur, s'il te plaît, est-ce que je peux voir ma femme? Elle est encore inconsciente, mais vous pouvez la voir. Très bien, par ici. Mon rêve, il s'agissait donc de ça. Quel rêve? J'ai fait un rêve terrible hier la nuit. Eh bien, répète, me dire le rêve. Ebere, n'aie pas peur. Ce n'est qu'un rêve. Mais pourquoi mon père réagit ainsi? Pourquoi il me maltraite? Écoute, s'il ne me permet pas d'épouser Obimere, je ferai mes bagages et partir de cette maison. Ebere, tu ne quitteras pas la maison pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Ebere, tu es en mission. Et après cette mission viendra ton bonheur. En mission? De quelle mission parles-tu? Ebere, l'avenir le dira. Allez, peux-tu arrêter de me parler en parabole? Explique-moi. Ça veut dire quoi? Mission, bonheur, je ne comprends pas. Ebere, calme-toi et regarde les choses se dérouler. Ta fin sera remplie de bonheur. Ebere, Dieu merci, je t'ai trouvé. Tu pars à l'hôpital? Hôpital? Oui. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'hôpital? Est-ce que j'ai quelqu'un à l'hôpital? Ebere, il n'y a pas longtemps, je vis les gens conduire ta soeur à l'hôpital. Elle était inconsciente. S'il te plaît, les jours d'aujourd'hui n'ont pas été bons pour moi. Je ne fais pas de plaisanterie. Ebere, attends. Pourquoi est-ce que je vais plaisanter avec un tel sujet? Je ne plaisante pas, je suis sérieuse. Ogo, tu es ma soeur? Oui. Écoute, Ogo, tu ne dois pas perdre le temps. Pars tout de suite. Ah, blaguer? Tel sujet? Non, tu dis la vérité, tu ne me crois pas. Comment va-t-elle? Elle est restée là, elle est restée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a avec elle exactement? Le docteur a dit qu'il faut l'opérer pour qu'elle vive. Une opération? Une opération. C'est quelle maladie? Je n'ai aucune idée. Le docteur a parlé d'une maladie, je ne sais même pas que ça s'appelle comment. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Laisse-moi aller la voir. Je ne sais vraiment pas. Elle est dans quelle chambre? Chambre numéro D. Numéro D. Où est-ce que je peux trouver maintenant l'argent pour une quelconque opération, hein? Ah, je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est du n'importe quoi. Tu me dis la charge de 50-50. Qu'est-ce que ça veut dire la charge de 50-50? Hein? En plus de cela, il me parle d'une facture de... Et il me parle d'histoire de 300 000. Où est-ce que j'aurai ça? En ce moment. Hein? Pourquoi? Je dis, pourquoi les gens sont comme ça? Mais pourquoi? Comment tu peux rester tout seul ici, dans le noir? Parce que ma vie est sur le point de partir. Ma vie est foutue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je réalise que ces jours-ci sont très durs pour nous. Après que mon cœur soit brisé par beaucoup d'hommes, les seuls qui se décident de me marier est rejeté par mon père. Peux-tu imaginer ça? Vraiment? Tu sais, cette vie, comprendre cette vie, c'est pas facile. Pour moi, j'ai résolu mon problème. Et ensuite, il y a un autre qui s'ajoute. Est-ce que je le mérite vraiment? Hein? La vie n'a pas de sens. Hein? Prends, tu fais non, mon beau pareil Chika, avec moi. Non, je ne prends pas. Je n'ai jamais pris d'alcool. Je suis en train de te dire, écoute, quand tu bois, tout ce que tu as comme problème, tu as l'esprit ouvert. Prends, crois-moi, bois un peu. Tu vois, tout va s'ouvrir. Ton cerveau va s'ouvrir. Hein? Tu vas toi-même le constater. Cette vie, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Les problèmes arrivent toujours. C'est quand qu'on a des problèmes qu'on se rend compte qu'on est victorieux. Hein? Vas-y. N'est-ce pas que c'est pas mauvais? Hein? C'est pas mauvais. Et amer en même temps. Oublie que c'est amer. Concentre-toi sur la douceur. Hein? Vas-y. Vas-y. Cette vie, j'ai mis pas vraiment pour rien. La vie. Tu utiliserais les vins de palme pour la laver. Si tu décides de prendre soin de toi, prends bien soin de toi. N'est-ce pas ça, ma chère? Papa, ce que j'ai pas compris est la raison du mot rejeté par Edekobi. Je sais très bien qu'il n'est pas de son ressort de choisir pour sa fille avec qui se marier. Tu as raison, il y a sûrement quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Bien. Espérons seulement qu'il ne planifie pas de donner sa fille à un homme riche. Edekobi. J'aime Ebere. Je l'aime tellement et je sais qu'elle m'aime aussi. Elle ne peut pas m'abandonner pour un autre homme. Eh bien, voyons juste voir ce qu'ils comptent faire. Quel que soit le pas ou la danse qu'ils emmèneront, nous le suivrons, c'est tout. Nous le suivrons seulement. Alors il n'y a pas de quoi t'en faire, fiston. Je me demande comment est-ce que j'ai pu me contenir. Ça m'étonne toujours. J'ai pu me ressaisir. Je veux dire, j'ai dû être un homme. J'ai dû être un homme. Papa, c'était le rejet le pire que tout homme puisse expérimenter dans la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Un homme est rejeté que quand il accepte l'objection. Tu comprends cela? Ce n'est pas la fin du monde. Voyons juste voir. C'est ça la vie, oh. C'est-tu que... C'est docteur Edwin, comment il peut vous demander de payer des millions de dollars juste pour une opération? Tu es sérieuse? C'est bizarre. Vraiment. Mais comment il peut vous raconter des trucs? C'est pas vrai. Tu vois vraiment ce que je te disais. La vie est toujours comme ça. Je croyais que tu étais devenu un peu folle à l'instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien du tout. Tu te sens bien? Oui. C'est bon. Ah, des problèmes, oh, cette vie. Les problèmes ne finissent jamais. Dieu est au contrôle. Doucement, doucement. Tu as assez bu comme ça. Doucement, doucement. Mon beau Chika. Hein? Tu veux partir. Je veux partir. Non, pas de problème, pas de problème. Aïe. Pas de problème. Alors, je devrais demain. Tu salues ta mère et... Es-tu sûr que tout va bien? Bonne nuit, hein? Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Doucement. Doucement. Doucement, doucement. Doucement. Je ne sais même pas comment te prendre dans cette condition. Tu es sûr que tu peux aller à la maison? Hein? 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 laisse passer une nuit. C'est comme ça que je vais rentrer demain. Ah, ok, pas de problème. Viens, on entre doucement. Doucement. Edekobi, je viens à toi en tant que frère. Je te connais très bien. Je connais très bien quand tu étais égoïste et désespéré. Je veux juste savoir ce que tu essaies de faire exactement avec ce que tu as fait aujourd'hui. Anosie, Obodo essaie de me rendre moins un homme. Obodo, ton frère, veut faire de toi un moins que rien. Peux-tu être plus explicite? Obodo me traite tellement avec moins de respect et de dédain, juste parce que je n'ai pas d'enfant mâle. Arrêtez ça, qui êtes-vous? Arrêtez ça! Arrêtez, que faites-vous ici? Hé, continue de travailler mon fils! Continue de travailler! N'arrête pas! Continue de travailler! Dieu merci, tu es là! Obodo! Oui! Obodo! Oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi sacles-tu le terrain? À ton avis, qu'est-ce que tu vois qu'on fait là? Nous enlevons tout ça parce que mon fils veut me construire une belle maison, une grande maison, en étage. Et tu n'as pas pensé que ce aurait été juste de m'informer avant de cercler le terrain? Pourquoi devais-je t'informer? Après tout, c'est la terre de notre père. Oui. Tu aurais du moins m'informer afin que nous puissions nous partager le terrain. Partager? Ouais. Est-ce que tu as un fils qui restera l'héritier un jour? Alors, pourquoi veux-tu avoir ce terrain? Obodo. Oui? Tu m'as dit ça? Mais c'est la vérité. Ok, Sinachi. Dis-moi, est-ce que tu vas porter ce terrain jusqu'à ta tombe? Moi? Oui. Que feras-tu de ce terrain quand tu vas mourir, mon frère? Est-ce que tu vas l'avoir sur ta tombe? Mais non. Et vous là, mais travaillez vite, depuis tous ces temps. Vous ne travaillez même pas bien. Travaillez vite, faites vite. Toi, va de l'autre côté là-bas. Accélérez, travaillez vite. N'oubliez pas, il faut terminer tout ça. Anosie. Edekobi. Ça va être une honte. Hein? Que ma génération soit terminée après que j'ai rejoint mes ancêtres. Un lion comme moi n'aura pas de descendant après ma mort. Rien par lequel se souvenir de moi. C'est de la honte. Edekobi. Tu aurais dû parler à ta fille profondément de ceci. Vous seriez parvenu à un très bon entendement. Bien, elle est ma fille et je sais comment la gérer. Edekobi Nemogi. Tu n'es plus un ami, tu es devenu un frère pour moi. Merci. J'ai bien vu des hommes qui ont laissé des mauvais souvenirs derrière eux. Tu es un homme fort. Tu es un lion. Mais ceci ne te prendra pas ta dignité. Au lieu pour toi d'empêcher ta fille de se marier, pourquoi n'épouses-tu pas une autre femme? Hé, Anosie, ne va pas là-bas, ne parle pas d'épouser une autre femme. Je ne me suis pas préparé pour une autre femme. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Hein? Les femmes sont dangereuses, tu devrais le savoir. Edekobi, c'est là que je dis que tu as tort. Personne ne pourra tuer un lion comme toi, alors que tu le gardes sous ton contrôle. Anosie, c'est mon problème familial. J'ai pris ma décision. Et personne ne va me faire changer d'avis. Même pas toi. Même pas moi. Même pas toi, Anosie, me fera changer d'avis. Maintenant, écoute-moi bien. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ceci. Ne m'implique pas dans ça. Quand les répercussions viendront. Bonne nuit. T'inquiète pas des répercussions. Ce sera mon fardeau et je le porterai. Bonne nuit. Arrête ça, les gens te regardent, non? Arrête ça, s'il te plaît. Je suis désolé, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, je suis désolé. S'il te plaît, je suis désolé. Désolé, vraiment désolé. Je suis désolé, je ne sais même pas comment c'était arrivé. Tu ne sais pas. Je ne savais pas, vraiment. C'est bien arrivé. Nous avons commis l'abomination. Calme-toi. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas comment c'était arrivé. Tu étais juste allongé sur le lit. Et puis voilà, je ne sais même pas. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis vraiment désolé. Désolé. Pourquoi cela va changer ce que nous venons de faire? Écoute, excuse-moi juste de m'écouter. S'il te plaît, je suis désolé. Je t'en supplie. Comment j'arriverai à dire ceci à ma soeur? Je suis désolé. Crois-moi. Je souhaite m'évanouir. Je souhaite disparaître. Je souhaite mourir. S'il te plaît, tiens-toi debout. S'il te plaît, lève-toi. Comment le dire à ma soeur? Où est-ce que tu vas comme ça? Mais reviens. Obogene kange mezio eh ah eh eh my heart is bleeding, the pain is so much. Who will I tell my story? Obonye kamoya kolomoy akoko amoy. From one problem to the other, Nsobu abela be motosite ogweyi pani na now. Hey, akwaleni. Hey, aleni libona no boy. Hey, onye kamoya kolonu. Hey, obonye ndakono ne kofodo ne. Mon amour, tu pleures? Comment va ta sœur? J'ai appris qu'elle ne se porte pas bien. Ce n'est pas pour ma sœur que je pleure. Je pleure pour moi-même. Pleurer pour toi-même? Laisse-moi te dire, il n'y a rien que ton père puisse faire qui me fera changer d'avis. Pour le moment, je ferai semblant comme si rien ne se passe jusqu'à ce que je sois prêt pour fuir avec toi. Ouais. Je crois que je serai me pardonner pour cet acte. Arrête de te reprocher pour l'action de ton père, ok? Je t'aime toujours. Oui, je t'aime. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Quoi? Chukokiki Abiyama, Dieu de nos ancêtres, je t'invoque. Protège-nous tous. Ouvre-nous nos voies. Qu'aucun ennemi ne triomphe de nous. Ebere, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ebere, je te parle. Ebere, pourquoi pleures-tu? Attends, quelque chose de mal est arrivé à ta sœur? Ma sœur va bien. Alors, pourquoi pleures-tu? Je pleure pour ma cause. Naï. Ouais. Ebere ne peut pas continuer à être dans cet état. Elle risque de devenir folle si tu la laisses pas épouser l'homme qu'elle aime. Permets-lui de se marier à Obimere. Où est-ce que tu vas? Je pars rendre visite à ma fille. Va-t'en et arrête de dire des fourberies. C'est tout ce que tu trouves à dire? Hein? Mais ce que tu fais n'est pas juste. Ce n'est pas du tout bien. Laisse-moi être franche avec toi. Tu dois la laisser se marier à l'homme de son choix pour qu'elle soit heureuse. En tout cas, ça, c'est mon avis. Va-t'en avec des foutaises. Pourquoi je ne meurs pas? Hein? Pourquoi la terre ne peut pas s'ouvrir et m'engloutir? À quoi me sert la vie? Pourquoi je continue de vivre? Pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi je ne disparais pas? Ou encore une autre chose? Arrête cette folie et va à l'intérieur. Ne perturbe pas ma prière matinale. Va à l'intérieur et arrête de perturber ma dévotion matinale. Chukokiki Abiyama, désolé pour les perturbations involontaires. Je t'invoque ce matin. Ouvre-nous nos voies. Merci, chérie. Oh bien, maman. Je suis vraiment plus en paix. Je sais. Ne te dérange pas. Le docteur a dit que je dois commencer à prendre ces médicaments jusqu'au moment de l'intervention. Il a dit que les médicaments vont me soutenir. Ça aidera aussi à soulager la douleur. Ainsi, nous serons en train d'économiser de l'argent pour l'intervention chirurgicale. Ne te décourage pas. Vraiment, j'aimerais que tu saches que... Ne te blâme pas. Je sais que si tu avais assez d'argent, tu ne me laisserais pas souffrir avec cette douleur. Tu m'emmèneras à l'hôpital aussitôt. Arrête ça, ce n'est pas ta faute. Écoute, j'ai l'impression que... Je sens une sorte de... S'il te plaît. C'est ta force qui me donne du courage. Si tu le perds, qu'est-ce que je deviendrai? Bébé. Hey, maman. Maman. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Maman, bienvenue. Merci. Ma fille, comment tu vas? Je vais mieux, maman. Je t'ai apporté à manger. Maman. Maman. Merci. Merci, maman. Où est Ebere? Ebere, elle était rentrée à la maison aujourd'hui matin en pleurant. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, j'avais dit à ton père que si Ebere devient folle, je ne lui pardonnerai jamais. Maman, elle ne perdra pas la tête. Maintenant, je suis forte, maman. Je viendrai voir papa, comme ça on va en parler. D'accord. Chika, qu'est-ce que le docteur a dit? Hein? Chika. Hein? Bim. Hein? Hein? Maman? Maman te pose une question, non? Hein? Maman, je te laisse avec ta fille. Bienvenue, maman. Il est dérangé par rapport à ma situation. Je lui dis que ce n'est pas de sa faute et que si on avait un peu de moyens, ça n'arriverait pas à ce point. Ça va aller, ma fille. Mais c'est comme si tu as toujours des douleurs. Oui, ça me dérange un moment et puis ça part. Oui. Que tu veux me dire? Je veux dire, quoi qui te dérange, dis-le-moi, je suis prêt à t'écouter. Obimere, j'ai besoin de rester seule. Mais tu sais que je peux pas te laisser comme ça, tu le sais. Ça fait longtemps que tu es comme ça et c'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon. Es-tu sourd? Je t'ai dit de me laisser seule. Ebere, m'as-tu juste crié dessus? Je veux dire, où est-ce que tu as pris cette attitude? J'oserai encore ma voix si tu ne me laisses pas seule! Hey. Grande sœur, j'ai une confession à faire. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Moi et ton mari. Ton mari et moi. Ok. Nous avons... Ok. J'ai couché avec ton mari. Grande sœur, c'était un accident. Non. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. C'était par imprudence. C'était par imprudence. Et non, non, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas dire ça. Je ne saurais pas. Ok, oui. Oui, je saurais. Je saurais. Oui, je serai, oui. Désolé que ce soit en retard. Efforce-toi de manger. Efforce-toi vraiment. Ok. Qu'est-ce que t'amène de l'eau? Ok. Ok. D'accord. Continue de manger, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es à genoux? Qu'est-ce que tu m'as fait qui te pousse à te mettre à genoux? Je suis ta sœur, je ne suis pas ton Dieu. Grande sœur, mon cœur est lourd. S'il te plaît, je t'ai déjà dit que je parlerai avec papa pour cette situation. Nous trouverons la résolution à ces problèmes. Lève-toi. Non, grande sœur. Mais ta sœur t'a dit de te lever. Lève-toi. Tu n'as pas besoin de t'agéner pour me dire quoi que ce soit. Tu ne peux pas toujours être là en train de pleurer. Lève-toi. Il y a encore du temps, tu trouveras une solution. Hein? Lève-toi. Non, grande sœur, pourquoi tu veux faire ça? Je ne vais pas me lever. J'ai dit que tu te lèves. Je ne vais pas me lever. Lève-toi. Non. Es-tu esclave? Hein? Mais lève-toi. Viens, viens manger. Mange avec moi. Arrête de pleurer. J'en parlerai avec papa. J'en parlerai. Et Ebere, tu vois ce que papa fait? Regarde comment Ebere est stressé. Je me demande. Comment on peut refuser à quelqu'un d'épouser l'homme qu'il veut juste puisque mon père devient un obstacle? J'en sais rien. Aucune idée. Oh, mais tiens, je ne mangerai plus, je n'ai plus d'appétit. Oh non. Regarde ce que devient ma soeur. Non, tu dois manger. Non, je ne peux plus manger. Tu vois? Non, je n'ai plus faim. Essaye. Ne vois-tu pas comment elle est devenue traumatisée? Je ne sais pas. Moi non plus, je me demande. Désolé. Oh, regarde comment elle souffre. Pourquoi ça? Elle est juste comme ça. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Désolé. Tu dois aller parler encore avec papa. Oh. Elle doit laisser Ebere faire son choix. Qu'elle la laisse faire sa vie. Elle est assez adulte. Mais qu'est-ce que tu fais au lieu de céder? Hein? Ebere, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dormais depuis le matin jusqu'à 7 heures. C'est quoi ton problème? Réponds au Ebere. Tu jettes aussi la salive. Maman, je ne me sens pas du tout en forme. J'ai des maux de tête. Je me sens très faible. Attends. Minute, attends un instant. Tu as dit que tu te sens faible. Oui, et j'ai des maux de tête. Et tu as des maux de tête. Ebere, tu es enceinte. Sans effet. Non, maman, pas jusqu'à ces points. Pas jusqu'à ces points. Je ne suis pas enceinte. Tu dors toute la journée. Tu te sens faible. Tu as des maux de tête. Et tu jettes trop de salive. Attends, laisse-moi regarder tes yeux. Je venais de commettre une abomination. Tu étais juste allongé sur les lits. C'est malsain. Et puis c'était arrivé, je ne sais même pas comment c'était arrivé. Je suis tellement désolé. Écoute, c'est encore que je vous dis, arrête ça, s'il te plaît. Je t'en supplie que je n'ai pas fait exprès. En quoi cela changera ce que nous venons de faire? Comprends-moi s'il te plaît, dis la vérité. Je suis tellement désolé, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Comment je me tiendrai devant ma soeur? S'il te plaît, je suis désolé. Maman, je ne suis pas enceinte. Tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte, maman. Dis-moi, qui t'a engrossée? Comment tu peux dire que je suis enceinte? Non, Ebere. Je ne peux pas être enceinte. Non. 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 Non, je ne peux pas être enceinte. Non, je ne peux pas être enceinte. Non. Ah! Non. Non, maman. Aujourd'hui, tu me diras tout ce que je dois savoir. Non, non, je ne partirai pas avec toi. Non, 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 lâche-moi. Lâche-moi. Non, 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 maman. Non, non, ok, maman. Vas-y, je te suivrai, je te suis. Non, maman, mais non, maman, mes babous, c'est pas grave. Non, maman. Je le disais, mon instinct ne me ment pas. On y va à la maison, arrête ça. Non, maman, non, maman, s'il te plaît, maman, non, s'il te plaît, maman, non, maman, s'il te plaît. Parle maintenant. Qui t'a engrossé? Maman! Qui t'a engrossé? Dis-moi le nom de la personne qui t'a engrossé avant que je te tue. Je vais te tuer aujourd'hui avec mes deux mains. Dis-moi, qui t'a engrossé? C'est ta fille. Ta fille est enceinte. Mais quelle honte! Regarde-la. Elle nous a mis dans la... Non, pas moi. Elle s'est humiliée elle-même. Hein? Je vais la tuer aujourd'hui. Papa... Parle! Oui. As-tu entendu? Très bien. Viens. Naï. Lève-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de te dire qu'Ebere est enceinte et tout ce que tu trouves à dire c'est très bien. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie? Est-elle mariée? Ce qui veut dire que c'est bon pour elle de tomber enceinte. Que veux-tu dire d'autre? Naï, toi? Ouais. C'est ma fille qui est tombée enceinte. Est-ce que les hommes tombent enceintes? Écoute, ne la touche plus. Ne la touche plus. Maman, s'il te plaît! Maman, laisse-moi! Maman! Où est-ce que tu vas? Maman! Reviens ici! Je suis fini. Ebere, quel est le problème? Où m'abriter? Où est-ce que je vais me réfugier? Ebere, peux-tu cesser de gigoter et me dire ce que le problème est? Est-ce que tu iras changer d'avis de t'épouser? Ce n'est pas aussi joli, Obimere. C'est une erreur que je fais. C'est une erreur que j'ai commise. La plus horrible. La plus horrible. Juste. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire. Ce n'est pas pour entendre. Je ne saurais les dire. Ebere, tu me rends plus confus. Dis-moi ce que le problème est. Tu es celui-ci. Tu veux me dire que tu ne les diras à personne. Je suis le seul à la maison. Ebere, c'est quoi le problème? Je suis enceinte. Ebere, tu es enceinte et tu as peur qu'Obimere nous dise qu'il ne t'épouse plus. Oh, ce n'est pas Obimere. Si c'était Obimere, je ne serais pas aussi effrayée. Alors, je suis enceinte d'un homme qui n'est pas du tout censé de me toucher. Ebere, alors va dire à l'homme que tu es enceinte pour lui et peut-être il t'épousera. Tu ne me comprends pas du tout. Non. Ebere, peu importe le problème, peu importe l'homme qui t'a mis enceinte, va lui dire que tu es enceinte pour lui et peut-être qu'il t'épousera. Bien, ça te concerne. Parce que moi, je ne veux pas m'impliquer dans tout ça. Écoute, la ville me manque. Je reviens. Ce village n'est pas fait pour moi. Ah, non, 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 non. Hein, tu peux imaginer, je dois rejoindre encore la famille. Oui, je veux juste finir ce que je suis en train de faire. Les gens vont s'asseoir encore. Mon cher, je t'appelle après. Je suis fini. Je suis fini. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fini, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte. Tu es quoi? Mais comment tu peux être enceinte? Comment je ne laisserai pas? On doit faire quelque chose, sinon ma mère va me tuer. Je ne lui ai pas encore dit la personne qui m'a enceintée. Tu es vraiment sûr? Oh Seigneur Jésus, maintenant qu'est-ce que je vais dire à ma femme vraiment? On doit faire quelque chose. De quelle manière je dirais à ma femme? On doit coopérer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais si ma femme apprenait cela, elle va mourir avant l'âge. Ma tête est en feu, je commence à les perdre. Mais je t'ai dit que je ne saurais pas. Attends, moi j'arrive. J'arrive. Écoute, prends ça et rentre à la maison. Ne dis à personne qui est responsable. Hein. Je vais t'amener à l'hôpital et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette grossesse. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Penses-tu à l'avortement? Non. Non, je ne vais pas mourir. Oh. Mais... Qu'est-ce qui m'a pris? Va dire que c'est ton petit ami qui est responsable. Non, ce n'est pas lui. Mais c'est ton petit ami. Ce n'est pas lui. Tu dois dire que c'est lui le responsable. Il ne m'a jamais touché. Je vais la tuer et me tuer aussi. Si elle ne me dit pas le nom de la personne qui l'a rendue enceinte. Calme-toi. Comment sauras-tu si c'est un arrangement qu'ils ont eu à faire avec Obimere? Elle a dit qu'Obimere ne l'a jamais touché. Et tu as cru à ça? Hugo, je ne suis pas un enfant. Elle n'allait pas avoir peur si Obimere en était le responsable. Je sais qu'il y a quelque chose qu'elle me cache et je dois découvrir cette chose. Tu es rentré? Mais toi, commence déjà à parler. Dis-moi le nom de la personne qui t'a rendue enceinte. Parle. Qu'elle me dise aujourd'hui qui l'a rendue enceinte. Je ne veux pas écouter. Calme-toi, ce n'est pas comme ça. Arrête, je ne veux pas écouter. Elle te le dira, calme-toi. Maman, laisse-moi parler avec elle. Laisse-moi parler avec elle, s'il te plaît. Passe-le-moi. Tu peux te mettre à l'écart. Laisse-nous un peu. Tu verras ce que je te ferai si tu ne parles pas. Ok, maman. Biko, c'est bon. Maman, s'il te plaît. Non, arrête, elle va parler. Ebere. Bonne sœur. Tu sais, si tu ne sauras dire à maman la vérité, au moins tu sauras lui dire. Je ne te battrai pas. Nous sommes deux sœurs et amies. C'est qui le responsable de ta grossesse? Dis-le-moi, s'il te plaît. Grande sœur, je ne saurais les dire. Je ne veux pas vous mettre dans les troubles. Je ne saurais les dire. Qui dit que tu nous mettras dans les troubles? Fais-moi confiance. Dis-moi son nom. Je ne le dirai à personne. C'est qui le responsable? C'est Obi? Non. Ah. C'est qui alors? Ebere, non, s'il te plaît. Non, grande sœur, je ne saurais te le dire. Non, 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 je ne te le dirai pas. Non. Tu ne veux pas me révéler le nom de la personne qui t'a rendue enceinte? Je ne peux pas le dire. C'est quoi alors? Parce que nous devons quand même le savoir. Je ne saurais le dire. Ebere, aide-nous à comprendre quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Obimere, s'il te plaît, puis-je te parler? Bien sûr. Merci beaucoup. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça va me coûter? Hein? De la laisser avoir cet enfant dans ma maison. Tu peux toujours revenir l'épouser. Mais, en aucune condition, considéreras-tu cet enfant tien? Ichi, je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. De qui parlais-tu? Obimere, je m'attendais à ce que tu sonnes plus mature. Je connais tes plans. Mais on peut le revoir. Je veux élever cet enfant moi-même. Alors, juste dis-moi le prix. Non, si je te dis que je comprends ce que tu es en train de raconter, alors je me trompe moi-même. Sois plus explicite, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Obimere, je te demande pour la dernière fois, quel est ton prix? Non. Si je te dis que je comprends ce que tu racontes, crois-moi, et Anosie qu'Anosie, je me mentirais à moi-même. Sois plus explicite. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est ça? Ouais, non, je ne comprends rien. Tu me demandes à savoir mon prix. Je ne suis pas un commerçant, je ne vends rien. D'accord. Je ne sais pas. Le prix. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Bien. Cet homme est un comédien. Vraiment, ça me fait rire, quoi. And you've been lost with the words of your answer, cause deep inside you are so confused. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chika, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Chika? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chika, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Chika, tu veux faire ça à des enfants? Ils seront orphelins. Mes enfants seront orphelins. Mes enfants seront orphelins. Chika, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Mes enfants seront abandonnés. Mes enfants n'auront pas de parents. Mes enfants seront orphelins. 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 Je suis un homme, je prends la responsabilité. Je suis un homme, je prends la responsabilité. Je suis un homme, je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité. Obim, as-tu pris l'argent dans ces sacs? Non. Comment tu peux dire non? Tu ne devais pas prendre cet argent. Je t'ai dit non, je n'ai pas pris ton argent. Sommes-nous à trois dans cette maison, hein? L'argent que j'ai épargné pour mon intervention chirurgicale, tu l'as pris. Je t'ai dit non, je n'ai pas pris ton argent. Ce que tu fais n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Qu'est-ce que tu racontes? Le peu d'économie que j'ai concentré pour mon intervention, tu l'as pris. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu m'accuses moi? Je t'ai dit que je n'ai pas pris ton argent. C'est qui les voleurs dans ce cas? C'est qui les voleurs? S'il te plaît, arrête de m'appeler voleur. Arrête de m'appeler voleur, s'il te plaît. T'es-je appelé un voleur? Je te pose une simple question. Ou c'est quelqu'un d'autre qui venait ici quand j'étais absente? Personne ne venait ici excepté ta sœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux lui demander. Ebere. Ebere était venu quand j'étais à l'hôpital. Ebere. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ugochi. Ebere était à la maison. Oui, elle était à la maison. Mais pourquoi es-tu si énervée? Parce que ce n'est pas avec mon argent qu'elle doit aller faire l'avortement. Quel avortement? Ugochi, de quel avortement tu es en train de parler? Hé, hey, avortement? Chika, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça, Chika? As-tu vu ma femme? Hein? As-tu vu ma femme? Dis-moi si tu la vis. Tu es en cours de route. Je dois vraiment la voir. Dis-moi si tu la vis. C'est quoi le problème? Dis-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Ike, les choses vont vraiment mal chez moi. Chika Dibia, explique-moi. Explique-moi. Je suis confus, je ne comprends rien du tout. Il y a des choses qui sont en train de m'arriver. Les choses qui sont en train de m'arriver. Tu crois? Ebere, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça, Ebere? Mon Dieu, désolée. Ce n'était pas de mes intentions. C'est le jour où j'étais venue chez toi après l'hôpital. Comme j'étais pleine de problèmes, il m'a proposé de prendre de l'alcool. Et sous l'alcool, sous l'ivresse, nous nous sommes laissés emporter sous l'ivresse. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue ici pour l'argent que tu as pris dans mon sac. Toi? Et Chika? Ebere! Ebere m'a tué! Ebere m'a tiré dessus! Ebere! Ah! Ah! Mon beau Chika! Mon beau Chika! Mon beau Chika! Oui? Comment tu peux me trahir comme ça? Tu as dit que tu allais faire quelque chose pour cette grossesse. Je t'ai cru. Tu allais plutôt te foutre de moi. Tu l'as même dit à ma sœur. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai dit à personne. Tu mens. Mais je ne l'ai dit à personne. Tu mens, comment elle le sait? Qu'est-ce que tu veux dire par... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle avait juste demandé, oh Dieu, mon Dieu. Elle me demandait son argent et je lui ai dit que la seule personne qui venait ici, c'est toi. La seule personne qui venait, c'est seulement toi. Maintenant, voilà, tu allais confesser juste par peur. Calme-toi. Calme-toi. Doucement. Oh mon Dieu. Mais c'est de l'abomination. Maman. Comment Ebere peut me faire ça? N'ai-je pas déjà assez souffert dans cette vie? C'est mon propre sang qui vient tourner le couteau dans ma plaie. Comment Ebere peut me faire ça, maman? Ma fille, calme-toi. Calme-toi, allez. Je t'en prie, sois forte ma fille, ça va aller. Que devient ma vie, maman? Ça va aller. Ça va, maman. Ça va, ok. 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 Non, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, laisse-moi. Hey, hey, my heart is bleeding. The pain is so much. Who will I tell my story? Obonyeka moya kolomoy. Akoko wamoy. From one problem to the other. Nsobu wabela bemo kojite. Ogweyi kwani na nao. Hey, akwalemi. Chika, Chika! Comment oses-tu me faire ça? Comment oses-tu? S'il te plaît. Après tout, c'est par quoi je passe. Je ne t'ai jamais trompé, Chika. Tu me trompes en sortant avec mon sang, avec ma petite sœur. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est comme ça que... S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Quelle animosité. Es-tu content? Non, 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 non. S'il te plaît. Comment tu peux me faire ça? S'il te plaît. Grâce. Ne sais pas. S'il te plaît. Reste loin. N'essaie pas d'approcher. C'est de ta faute. C'est ta faute. Mon amour, s'il te plaît. Chika, comment tu peux me faire ça? Chika, regarde ça. N'ose pas t'approcher de moi. N'ose pas t'approcher. N'ose pas t'approcher. Reste loin. Reste loin. Écoute, Chika, c'est pas ce que tu crois. Reste loin. Bébé, bébé. Mon amour, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, c'est pas le moment de faire ça, s'il te plaît. Mon amour, s'il te plaît. Ne le touche pas. Je t'en supplie. Ça n'allait pas arriver jusqu'à ce point. C'était juste par accident. S'il te plaît. Ne me parle pas, s'il te plaît. Ne me parle pas. Ne parle pas. Je t'en supplie. Ça n'allait pas être comme ça. S'il te plaît. Arrête de me parler. Mon amour. Ne me parle pas. Ne fais pas ça. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, bébé. Bébé, je t'en supplie, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne pars pas, ne me laisse pas, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, c'est une erreur, s'il te plaît, ne pars pas, arrête de me parler, s'il te plaît, je sais que je marche, mais je ne peux pas te laisser partir, ne me touche pas, laisse-moi, laisse-moi, arrête, s'il te plaît, mon amour, je t'en supplie, ne pars pas, ne me laisse pas, pour l'amour de Dieu, reste avec moi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me laisser seul, je ne serai pas, non mon amour, reste avec moi, je t'en supplie, bébé, s'il te plaît, ne pars pas, ne me laisse pas, Sois avec moi. C'est moi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas me laisser. C'était juste une erreur. Je ne ferai plus jamais ça. Ça ne se répondra plus jamais, bébé. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Ne pars pas. Reste avec moi. Je suis là pour toi. C'était juste une erreur. Pardon, c'est moi. Tu as tout gâché. Tu as gâché le mariage de ta fille. Es-tu content, n'est-ce pas? Hein? Vas-tu te taire? Tu parles trop. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Laisse-moi être plus clair avec toi. Comme de l'oignon, n'est-ce pas? Chika, ton beau-fils, c'est lui le responsable de la grossesse d'Ebere. Si tu avais laissé Ebere épouser son fiancé, tout ceci n'arriverait pas. Tout ceci n'arriverait pas. Je n'ai jamais vu un homme sans cœur comme toi. Je n'ai jamais vu un têtu comme toi. Je n'ai jamais vu un homme qui connaît tout, comme celui qui est devant moi. Oui. Regarde maintenant ce que tu as fait à tes filles. La honte. Hey! Quelle honte! Haru! Dans quelle famille une telle chose est déjà produite? Dans la mienne. Hey! Quelle abomination! Chika Dibia. Chika Dibia. Dis-moi honnêtement la vérité. Tu n'as pas fait cela, n'est-ce pas? Ike, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas. Non, ce que tu essaies de me dire là, non. Dis-moi un peu. Donc, tu ne sais pas comment tu es entré dans cette chambre avec cette fille et tu l'as introduit dans cette fille. Ce que tu as fait est vraiment terrible. C'est très mal, je t'ai dit. Je sais que ce que je fais, c'est mal. Je sais et j'avais tort. Je sais que j'avais tort. Ça, c'est une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Nous savons tous que ta femme a toujours été là pour toi. Elle ferait vraiment tout pour toi. Oui, tu l'as maltraitée. C'est mal. Oui, je te dis, c'est mal. Ike, je sais que j'ai mal fait, mais tu es mon meilleur ami, raison pour laquelle je suis venu te voir pour qu'on arrange tout ça. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à ce moment. Je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Je suis venu pour que tu me donnes quelques idées, je ne sais plus quoi faire. Mon cher ami, il faut que je te dise la vérité. Ma tête n'a aucune suggestion maintenant. Va à la maison et résous tes problèmes. Écoute, s'il te plaît, je ne sais même pas quoi faire. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Aide-moi, mon ami. Écoute, je n'ai pas... Écoute. Ma femme m'a quitté. Et ça peut dire cette vie chez moi. Cela me concerne en quoi? Écoute, Tu es mon ami. Je veux juste que tu me donnes quelques idées. Je vous dis bien, cela ne me concerne pas. Plusieurs fois, ça dit de faire attention. Mais tu n'écoutes pas. Non, quitte maintenant chez moi et va résoudre ton problème, ok? Moi, je t'avais aidé quand tu avais des problèmes. Pourquoi tu me fais ça? Ne m'abandonne pas. Je suis connu de problèmes. Mais ce n'est pas comme ton problème là. Va-t'en maintenant. Ike. Écoute, j'ai pris une décision. Je vais t'épouser. Est-ce que tu t'entends parler? Ce qu'on a fait était impropre. La seule voie de sortir dans cette situation, c'est de demander pardon. Je veux vraiment t'épouser, ok? Je veux dire, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais voyons, tu n'as jamais vu deux sœurs épouser un seul homme? De quoi parles-tu? Dans cette famille d'où je suis sortie, mon père, ma mère, avec tout ce par quoi nous passons ces derniers temps, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Dis-moi, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Edekobi, ouais. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Quand tu m'avais dit que tu voulais garder ta fille Ebere pour qu'elle te donne des garçons, je t'avais bien dit que ça ressemble à deux mondes différents et que cette chose-là ne peut marcher. Avec les filles de nos jours, je t'avais bien dit cela. Ouais. Anosie, je suis triste, mais au même moment, je suis heureux. Ouais. J'aurais aimé que ce soit un autre homme. J'aurais aimé que ce soit Obimere et je l'aurais payé. Mais dans ce cas, je ne sais pas comment m'y prendre. Tu dois des excuses à ta fille. Car c'est ta têtutesse qui nous a conduits à ça. Anosie, je sais quoi faire. Edekobi. Edekobi. Ouais. Edekobi, souviens-toi que tu n'es plus du tout un ami. Tu es devenu mon frère. Je suis d'accord. ce qui s'est passé est très mauvais. Mais ça sera très humiliant, très honteux si d'autres personnes apprennent cette histoire. Alors je te suggérerai de rentrer chez ton mari. Cela prouve qu'il n'est pas stérile. Je ne veux pas le voir, maman. Je comprends. Mais ça sera très mauvais de laisser Ebere avec lui. Ma fille, tu dois rentrer chez lui. Je ne peux pas. Je ne veux pas du tout le voir. Je ne peux pas. La seule chose qui me préoccupe, c'est ce bébé. Qui deviendra cet enfant? Nous allons nous occuper du bébé. Après tout, il n'a pas payé sa dot. Hein? S'il te plaît, rentre chez lui. C'est la meilleure chose que tu ne puisses faire. Mais as-tu dormi ici? J'ai juste envie de mourir. Je souhaite être engloutie. Engloutie à la terre. Oui. Écoute. Je sais que ce que tu as fait, c'est stupide. Mais je le suis aussi. Oui. Mais comment quand je te dis que tout ira bien? Tout ça va passer, ok? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça passera. Cette honte que je porte maintenant couvrira toute ma vie. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, c'est tout ce que tu dis. Donne-moi mon argent. Hein? Donne mon argent. Disparais d'ici. Merci. Disparais d'ici. Je te pardonne. Tu m'as pardonné. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu es sûr que tu m'as pardonné? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré ton père, il me disait... Obimere, qu'est-ce que tu as? Laisse-moi tranquille, reste loin, je ne veux plus de toi. Qu'est-ce qui est aussi difficile pour toi de comprendre? N'ose plus m'arrêter, je ne t'avertirai plus. Quel phénomène, Biko? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Maggie. Ok, d'accord. Oh non, n'aie pas peur de moi, viens ici ton père. Ebere, viens. Oh non, ne cours pas ma fille, ne cours pas, n'aie pas peur de moi, je suis ton père. Hein? Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Viens, viens, viens ma fille, viens, viens avec moi, viens avec moi. C'est toi. Ebere, je ne suis pas fâché contre toi, pas du tout. En fait, je suis heureux. À partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Quel que soit ce dont tu as besoin, fais-moi savoir. Ok? Je vais commencer par ceci. Assieds-toi, Ebere, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Sois à l'aise. N'aie pas peur. Ton père Edekobi est là, ok? Prends ça. C'est pour toi. Quoi? Ouvre ta main et prends. C'est ton argent. Écoute-moi. Hein? Si tu mets au monde un enfant mâle, oh, je prendrai soin de toi. Je pourvoirai tout ce dont tu as besoin. Je te donnerai de l'argent, des milliers de naira, en fait des centaines de milliers. Je prendrai bien soin de toi. Edekobi. Ouais. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment? Ta fille a commis une atrocité, une abomination. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est lui donner de l'argent. N'est-ce pas qu'en ce moment, tu étais censé la gronder? Et la remettre à sa place pour ce qu'elle a fait. Ma fille, va à l'intérieur et prends ta douche. Ok, si tu ne pars pas d'abord présenter tes excuses auprès de ta sœur, on verra comment tu vas entrer dans cette maison. Écoute-moi, à ce point, hein, je te couperai les bras si tu mettais sale main sur ma fille. Edekobi, ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu, c'est mon affaire, c'est pas ton affaire, elle est ma fille. Mets ta sale main sur elle et je t'amputerai. Ma fille, va à l'intérieur, va te doucher, n'aie pas peur d'elle. C'est ton père Edekobi qui te parle. Va à l'intérieur, va te doucher. Oh, allons-y, allons-y, lève-toi, allons à l'intérieur. Allons-y. Ça donne le passage. Ça donne le passage. Nous allons à l'intérieur. Allons-y, ma fille, allons-y. N'aie pas peur, suis-moi. Ça donne le passage. Va te doucher, ma fille. Ose mettre tes sales mains sur ma fille. N'importe quoi. Je sais ce que je fais, c'était trop stupide. Je n'ai même pas d'excuses, je sais que j'avais tort. Et j'avais tort, c'est ça la vérité. Épargne-moi de l'histoire, s'il te plaît. J'avais vraiment tort, je sais que j'avais perdu, il y a un moment donné, j'avais perdu complètement la raison. C'est pour cela que je te disais que je suis toujours désolé de tout ce qui s'est passé. J'ai dit que je ne vais pas savoir les détails de comment cela est arrivé. Arrête! Tu es pardonné. Est-ce que je peux préparer pour toi quelque chose? S'il te plaît, je peux te faire un plat de soupe si tu veux. S'il te plaît. Non. Mon amour, s'il te plaît. Tu devrais avoir faim en ces moments. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne va plus jamais se répéter. Je suis tellement désolé. J'ai peur. L'opération aura lieu dans quelques jours. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Le docteur a dit que la chance est de 50-50. Alors on s'accroche au bon 50. On s'accroche du côté positif, ok? Et si je mourrais? Arrête ça. Pourquoi tu parles de la mort? Tu ne mourras pas. S'il te plaît, ça ne peut pas arriver. N'est-ce pas que ce n'est pas évident? Non. Tu ne vas pas mourir parce que je t'aime. Voyons, arrête de parler de ça. Ma fille. Papa. Si tu as besoin de plus, dis-le-moi. Bien. Tu m'as vraiment rendu fière. Honnêtement, je ne peux pas être plus heureux que ça. Qu'y a-t-il? Edekobi. Ebere. C'est quoi ça? Que veut dire cette question? Qu'est-ce qui se passe ici? Ebere, pourquoi tu n'étais pas venu me rejoindre au champ? Je voulais venir. Papa dit que je dois me reposer. Ton père t'a demandé de te reposer, comme une personne qui avait accouché hier, ou quoi? Pourquoi? Écoute-moi. En réalité, elle voulait venir au champ. Et moi, le père, Edekobi, lui a dit de se reposer. Ce que tu es en train de faire n'est pas du tout bien. Edekobi, comment est-ce que nous allons appeler ça? Tu es en train de la chouchouter? C'est pas juste ce que tu es en train de faire. C'est pas du tout juste. Pourquoi dois-je abattre tout ce travail seul? Maintenant, écoute. À partir de maintenant, et c'est un décret, elle se repose. Plus de travaux champêtres, plus de cuisine, plus de la puise de l'eau, plus de la recherche de bois de chauffage. Elle est en repos absolu. Dans cette maison, bam, on verra bien comment cela aura lieu. Donc c'est moi qui dois faire la cuisine. Je dois cuisiner pour elle. Et qui va commencer à puiser de l'eau? Moi? Pourquoi ne cuisinerais-tu pas pour elle? Ouais. Donc je suis devenue la bonne, c'est ça? Pas de problème. Tu dois lui chercher aussi de l'eau. On verra comment cela aura lieu dans cette maison. On verra. Pourquoi ça ne va pas marcher? Pas de problème. Ose arrêter de cuisiner dans cette maison. On verra bien. Ça va bien marcher. Jouis-en, ma fille, ne considère pas ta mère. Elle ne fait que fulminer. Jouis-en bien. Ne considère pas ta mère. Je me demande pourquoi tu as toujours peur d'elle. Hein? C'est ça. Ouais. Hey, docteur. Bonjour. Bonjour. Tu te déplaces? Non, je vais juste checker quelques patients au laboratoire. Ah, d'accord. Alors, comment va ma femme? Oui, elle est en vie, mais... il y a quelques complications. Docteur, quelles complications parlais-tu encore? Elle pourrait ne plus être capable de concevoir. Le chirurgien ne vous a pas dit à quel point son utérus était endommagé? Attends, docteur, je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis exactement? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu veux dire que tu as tout essayé avec ma femme et ça n'a pas marché? Tu as tout essayé, vraiment, ça n'a pas vraiment marché? Monsieur Chika, je vous avais bel et bien expliqué tout ça avant même que nous puissions entamer la chirurgie. Et tout ça a été mentionné dans le contrat que vous avez bel et bien signé. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ma femme ne mettra jamais au monde. Mais qu'est-ce que tu racontes, docteur? Elle ne mettra jamais au monde. C'est ce que tu es en train de me dire? J'en suis désolé. Mais qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est quoi ton problème comme ça? Chika Dibia, ah, c'est quoi ça? Mais c'est à toi que je parle, non? Ah, Chika Dibia, écoute-moi. Ah, je te suis depuis un moment pour que tu me dises c'était quoi les problèmes. Mais tu ne me dis rien. Tu me fais passer pour un fou comme ça. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la malchance, c'est mon problème. C'est la malchance. C'est la malchance. Moi, je suis fatigué. C'est au-dedans de moi. Je suis tellement fatigué. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Mais de quoi parles-tu? Non, mais de quoi parles-tu? Mais pourquoi d'autres personnes sont chanceux? Pourquoi d'autres ont la faveur? Pourquoi d'autres personnes sont chanceux? Des gens comme moi, mais ils vivent avec la fortune. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je suis confiant à propos de toi. Hein? Premièrement, c'est toujours tes problèmes. Deuxièmement, c'est la malchance. Est-ce que je ressemble à Dieu qui va entrer en toi et voir tous tes problèmes? Dis-moi clairement quel est ton problème. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Attends, Chika Dibia. Une chose que je ne peux pas accepter, c'est le stress que tu es en train de me donner là. Est-ce que tu comprends? Si tu décides de me dire quels sont tes problèmes, hein? Tu sais très bien où j'habite. Viens là et dis-moi quels sont tes problèmes. Je suis déjà fatigué et te suivre partout. J'en suis des problèmes moi. Moi aussi j'ai des problèmes. J'en ai déjà marre de te suivre comme ça. Pour tes propres problèmes. Vas-y, rentre à la maison. J'ai aussi mes problèmes. Moi, je suis fatigué. Ebere. Obimere, qu'est-ce qui se passe? Ebere, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me traites si mal. Tu me détestes ces derniers temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Dis-moi ce que j'ai fait. Si je t'ai offensé, dis-le-moi, je te présenterai mes excuses. Allez, 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 arrête. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes même? Ah. Ebere, tu sais que je t'aime énormément, mais tu ne me traites plus bien. Tu me traites plus bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Dis-moi, hein? Quand je te vois, tu me snobes. Quand je t'appelle... Je ne sais pas de quoi tu parles, arrête! C'est exactement ce que je suis en train de dire. De quoi parles-tu? Ebere, ne bouge pas. Ne bouge pas. Couche-toi. Couche-toi sur ton ventre. Je vais épargner ta misérable vie cette fois-ci. Merci. En aucune condition viendras-tu encore dans ma maison. D'accord, monsieur? Oui, j'ai entendu, monsieur. Calmement, lève-toi. Hein? Je t'accompagnerai hors de ma maison. Calmement. Ok. Calmement. Ok, monsieur. Tourne-toi. Tourne-toi. D'accord. Ne regarde pas derrière. Hors de ma maison. Pardon, pardon, mais pardon. Silence, ne parle pas. Pitié, pardon. Je dis silence, ne parle pas. Mais plus jamais tes sales pieds dans ma maison. Je ne vais plus venir. Si je te vois encore ici, tu verras. N'importe quoi. Ebere, tu vas bien? Ça c'est très bien. Désolé, hein? D'accord. Ah, attends, attends. Je ne comprends pas. Tu cours comme ça pourquoi? On t'essuie? Est-ce que tu as vu un tigre ou c'est quoi? Pourquoi tu cours comme ça? Tirer sur moi, je te dis. Ah, c'est vrai ce que tu dis là. Tu es vraiment amusant. Non, mais dis-moi un peu, attends. Pourquoi tu es parti là-bas tout seul? Je t'ai allé voir Ebere. Je t'ai allé voir Ebere. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis confus. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Tu es allé voir Ebere. Tu es allé voir Ebere. On t'avait rien dit. Donc, tu veux dire qu'on t'avait rien dit du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, attends un peu. Attends. Tu veux dire que personne ne t'a rien dit. Personne ne t'a rien dit du tout. Non, personne ne m'a rien dit. Tu ne vis pas dans ce village ou quoi? Ike. Ike. Ton silence me tue. Tu es resté comme ça depuis 2 jours. Je ne suis pas en colère contre toi. Promets-moi que tu n'afficheras pas une attitude indifférente. Tout le monde pense que je suis impuissant. Tu peux leur dire qu'on attend le temps de Dieu. Tu sais très bien que tu es en train de mentir en croyant en Dieu. Chika, s'il te plaît. Tout ira bien, ça marchera encore. Ah, arrête. Peux-tu arrêter? Essaie d'arrêter. Alors, combien de fois on va prétendre que les choses vont très bien alors que ça ne va pas du tout? Pas du tout bien. Arrête ça, s'il te plaît. Je ne veux pas parler de ça. Obi. La nourriture est prête. Obi. Je suis fatigué. Et pourquoi tu ne me réponds pas? La nourriture est servie. Je n'ai pas faim. Tu n'as rien mangé hier la nuit. Maintenant, tu dis encore que tu n'as pas faim? S'il te plaît, laisse-moi réfléchir à la vie. Laisse-moi penser à la vie. Laisse-moi penser à la vie sérieusement. Parce que je ne comprends pas. C'est quelle sorte de vie ça? Hein? C'est quoi cette vie? Je n'ai pas d'enfant. Tu penses vraiment que ce qu'on vit là, c'est une vie vraiment? Donc, dans ma génération, je serai le seul qui n'aura pas de lignée. Alors, qu'est-ce que je dirais à mon père? S'il te plaît. Tu reprends le même sujet? Hein? Tu reprends le même sujet? Je dois continuer avec ce sujet. Je dois vraiment continuer avec ce sujet parce que tout le monde voulait dire que j'aurais pas d'enfant. Ce n'est pas ça. Tu fais comme si tu n'as jamais rendu une femme enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, 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 non. Dis-moi ce que tu veux dire. Tu veux dire que l'enfant est à toi? Non, non, non. Dis-moi seulement en face que l'enfant est à toi et tout ira bien. J'ai une idée. Laisse-moi penser à ma vie tranquillement. Je m'en fous de ton idée là. Idée. Quelle sorte d'idée? L'enfant qu'Ebere porte est ton enfant. Tu ne peux pas laisser un autre homme élever ton enfant. Ou le laisser grandir dans la maison d'une autre personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu vas adopter mon idée, cela t'épargnera du stress par lequel tu passes maintenant. Quel genre de suggestion? Quel genre de suggestion? De quelle suggestion politique? Tu parles de ta petite sœur? Elle porte un enfant. Tu es un homme, Chika. Tu ne peux pas laisser ton enfant grandir dans une autre maison. Chika Dibia. Chika Dibia. Je t'ai averti, oh. Je peux taper sur ma poitrine plusieurs fois pour te dire que c'est un piège. Fuis pour ta vie. Rappelle-toi du frère de Mamia Chika Dibia. Il avait épousé 2 femmes. Demande-moi où il est maintenant. Non, demande-moi. Oui, je me rappelle. D'abord, comment il va? Dans la tombe. Oui, dans la tombe. Il est mort. On a fini cet homme avec des troubles et des problèmes, Chika Dibia. On a terminé la vie de cet homme. Juste comme ça. Fouille. Ok. Le problème maintenant, c'est... Je vais dire, devrais-je laisser mon fils? Est-ce que je suis censé laisser mon fils pour qu'il soit bâtard? Oh, quel genre de bâtard? Va te marier. Il y a plein de femmes dans ce village. Prends une autre femme. Marie-toi et laisse ces gens. Et tu ne réponds pas à ma question. Je vais dire, qu'est-ce que mon fils deviendra? Mais bien sûr, tu peux élever notre enfant, n'est-ce pas? Hein? Écoute, moi je te conseillerais d'éviter d'épouser les sœurs comme ça. Ta femme a presque ruiné ta vie. Ta femme, Chika Dibia, ta propre femme, et à connaître plus forte raison, sa sœur. Je t'ai averti, oh. Mon cher, mais... Sérieusement, mais je suis tellement stupide et inutile. Comment je peux venir chez toi pour que tu me donnes les conseils? Parce que moi j'aime te dire la vérité. Mais quelle vérité? Tu n'as pas de choix. Non, parce que je suis stupide, je suis vraiment trop bête. J'ai tellement perdu ma journée en venant pour que tu me donnes des conseils. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Ne dis rien du tout. Mon ami, écoute-moi s'il te plaît. Ne dis plus rien. Tu parles de n'importe quoi. C'est quelle sorte de conseils que tu me donnes? Regarde-toi vraiment. Je pensais vraiment que tu avais le cerveau, mais c'est quel genre de conseils que tu viens de me donner? Mon fils ne sera pas bâtard. Chika Dibia. Mais mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il est aveugle ou quoi, ce garçon? Cette femme-là finira par le... Je réfléchis à ce que tu m'as dit. D'épouser ta sœur. On peut aller lui parler. J'ai changé d'avis. Je ne peux pas épouser ma sœur. Quoi? Alors qu'est-ce que tu avais dit la fois passée? Mais qu'est-ce que tu veux dire par... Je ne peux pas épouser ta sœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Hein? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est toi qui m'avais suggéré d'épouser ta petite sœur. C'est moi qui étais la première à te donner cette idée. J'ai changé d'avis. Tu ne peux pas l'épouser. Comment ça tu as changé d'avis? Et ce n'est vraiment pas le moment de changer d'avis. En ce moment, je suis en train de réfléchir comment je peux aller l'épouser et de me focaliser pour le mariage. Mais tu me dis non. Je dois y penser. Je dois prendre le temps de réfléchir. Tu dois y penser. Tu dois être sûr. À ce temps. En ces moments. Je veux juste me rassurer des conséquences de cette action. Continue d'y penser. Oui, pense. C'était quoi ce que tu as fait? Faire quoi? C'était qui cette fille? Cette question est venue à la femme qui ne veut pas que j'aie des enfants. Chika, tu dois contrôler ta langue. N'oublie pas que j'ai un cœur. Moi aussi. J'ai aussi réalisé que j'ai un cœur. C'est pour cela que j'ai vu un enfant. Je veux un enfant. Est-ce que tu me comprends? Tu ne m'as jamais parlé de cette manière avant. Et je suis en train de le faire parce que tu dois comprendre que je veux un enfant, c'est tout. D'accord? Et je suis l'homme de cette maison. Je dois faire tout ce que je vais faire. Est-ce que tu me comprends? Pour info, laisse-moi te dire que tu vois la maison dans laquelle tu dors avec moi. Tu dois te déplacer dans une autre maison. Est-ce que tu comprends? parce qu'il y a notre femme qui arrive et avec elle, on va avoir un enfant. Ebere, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à sauver mon mariage. S'il te plaît, fais-le pour moi. Grande sœur, je ne te saisis pas. Je t'ai déjà demandé pardon. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour autre chose. J'ai vu Chika avec une autre femme. A-t-il l'intention de prendre une seconde femme? Pas mon problème. Le médecin dit qu'après l'opération, je ne serai pas en mesure de concevoir. Aide-moi, ma sœur, s'il te plaît. Grande sœur, dis-moi que c'est faux. Et... Ok, pas de problème. Je vais y penser. Merci. Mais je dois aussi avoir l'avis de ton mari, non? Ok, je lui dirai de venir en parler avec toi. Il n'y a pas de souci. Merci, Ebere. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Allez, c'est bon, grande sœur. C'est bon, arrête. Ok. S'il te plaît, quand tu parleras avec lui, dis-lui que je suis d'accord. S'il épouse une autre femme, je perdrai ma position. C'est bien entendu. C'est bon, ok. J'ai écouté, non? Oui, c'est bon. Je me calme. Ok, je me calme maintenant. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dobbing, sur notre site web www.aforevo-dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I tell my story, Obonyeka moya kolomoy. I could go a boy from one problem to the other. This so poor, Bella Bemo thought you did. Oguémogne funny now. Hey, I'm calling you. Hey, I nearly won on the boy. Hey. Onyeka moya kolonwe, hey, obone, nda konone kofodone, iju, I can't afford it.